chapitre 6, à partir du verset 1er. Allons-y. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Mm-hmm. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Mm-hmm. La main de Madian fut puissante contre Israël. Mm-hmm. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le terrain bête d'Ophra. C'est la partie qui m'intéresse. Il s'assit sous le terrain bête d'Ophra, qui appartenait à Joas. Continue. De la famille d'Abiézer. Continue. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Continue. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Oui. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Va avec cette force que tu as. Dis encore plus fort, va avec cette force que tu as. Allons-y. Nous continuons. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le terrain bête et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Amen. Si tel tu es vivant, je serai vivant sur cette chair.
If you are alive, I will be tu alive. Tu parles avec force, difficile mais pas impossible. Hard but not impossible. Dis encore difficile, pas impossible. Hard but not impossible. Qui croit en son miracle? We believe in miracle. La Bible nous explique quelque the, chose. The Bible explains something. La Bible nous parle d'un homme. Talk about somebody. Appelé Gédéon. Called Gideon. Dieu avant de révéler cet homme. God before revealing that person. La Bible dit qu'Israël avait fait des choses que Dieu n'aimait pas. Israel did things God doesn't like. Et quand on se détourne de la face de Dieu. When you go away from the face of the Lord. What happened? Dieu nous livre. God entre les mains to de nos ennemis. To your enemy. Comprenez que chaque enfant de Dieu. Every child of God. Quand when vous commencez à pécher contre Dieu. When you begin to sin against quand God. Quand vous commencez à faire des choses que Dieu n'aime pas. When you begin to do things la God doesn't like. La première chose que Dieu fait. The first thing God. Il vous livre. Entre les mains he give it to you to your, vos ennemis. Your enemy. Quelqu'un qui adore Dieu. Somebody worships qui a une alliance avec Dieu. A covenant with qui God. Connaît sa position véritable entre position Dieu God et lui. Before Dieu ne le livre jamais God can never entre les mains de ses ennemis. Quand tu vois un enfant de Dieu qui a dit que when mes ennemis se sont levés mon frappé. C'est qu'il a eu à faire des choses que tu n'as pas aimé. Mais je bénis Dieu. I bless the Lord. Il arrive des fois dans notre marche. Nous pouvons tomber. Nous pouvons désobéir. Mais le plus important ce n'est pas de tomber. Mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Mais ce que Dieu a caché au diable. C'est que la Bible dit, cette fois mon serviteur tombera, et cette fois je le relèverai. Je suis venu t'annoncer ce matin, je ne sais pas où tu es tombé, mais l'Éternel m'a dit que là où tu es tombé, il t'a déjà relevé. Quelqu'un n'a pas dit amen, je vais commencer à bombarder ce matin. J'ai dit quelqu'un n'a pas dit amen fort, je vais lever le niveau ce matin. Dis-moi amen, je vais commencer quelque chose. Le diable avait commencé à se réjouir. Satan avait commencé à fêter. Satan avait commencé à jubiler. Parce que pour lui, l'Éternel avait livré Israël entre ses mains. La Bible dit que les Madianites sont venus, ils ont pillé tout Israël. Ils ont piétiné Israël à cause de leur désobéissance. Mais je bénis Dieu. Le salut David a dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je suis venu t'annoncer ce matin, je ne sais pas quel malheur qui a frappé à ta porte. Je suis venu te dire, en tant que prophète de Dieu, je vois le malheur qui est en train de se transformer en bénédiction. Je dis, je vois le malheur ce matin se transformer en bénédiction. Quelqu'un me dit, amen, je ne sais pas quelle bouche qui t'avait maudit, mais je vois Dieu parce que c'est son temps, ramener cette même bouche qui t'avait maudit, te bénir. Qui a dit, amen, je commence les choses. La Bible dit, en ce temps-là, quand Israël avait désobéi à Dieu, quand les Madianites sont venus prier, il y a quelqu'un qui était dans le secret, qui recherchait la face de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes dans une famille, tout peut aller. Mais quand Dieu veut vous élever, Dieu commence à créer des problèmes. Ce n'est pas tous les problèmes qui viennent du diable. Ce n'est pas tous les malheurs qui viennent du diable. Mais quand Dieu veut élever une personne, Dieu commence à créer d'abord les problèmes. Je suis venu t'annoncer ce matin, dans ce sixième mois, dans ce cinquième mois, les problèmes qui ont commencé, c'est parce qu'il y a un positionnement qui se prépare pour toi. Tu es en train de préparer une position. Oh, tu te lèves, tu me dis amen, je vais lever la chose. Je disais ceci. Dieu ne lève jamais une personne s'il n'a pas créé des trous. Il n'a pas créé des trous. Dieu élève une personne là où tout le monde tombe. Where everybody is down. Vous regardez la vie de Pierre. Well, look at the life of Pierre. Pierre aimait le Seigneur. Love the Lord. Pierre craignait le Seigneur. Pierre the Lord. Mais Pierre ne savait pas à quelle dimension Dieu l'avait appelé. But he didn't know what dimension. Mais Dieu pour révéler la gloire qui est en Pierre. Il leur a dit quoi? Montons dans la barque. Allons à l'autre bord. La Bible dit dans la barque. On the boat. La tempête s'est levée. The storm came. Pendant que la tempête s'est levée. And the storm came. Qu'est-ce que Christ faisait? What Christ was doing? Il dormait. C'est impossible. C'est impossible. Dis à quelqu'un impossible. Impossible. Dis avec moi difficile. Mais pas impossible. Mais la Bible impossible. Dit balancé. En pleine eau. In the water, dans la barque. The boat, quand la tempête se lève. La Bible dit balancé. Jésus dort. La Bible balancé. Dit que la barque a commencé à se remplir d'eau. The flow was full of water. Entre nous. Between us. Même si tu es ivre. Even you are drunk. Quand l'eau te touche. When water qu'est-ce que you. Tu fais? What are you doing? Tu te réveilles. You wake up. Mais l'eau qui touchait Jésus the water n'a pas réveillé Jésus.
Jésus. Parce qu'il savait que la tempête qui s'était levée ne pouvait pas renverser la barque, mais venait pour préparer une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un qui était dans cette barque. Je suis venu t'annoncer qu'il soit dans ta barque. La tempête peut se lever, mais la tempête ne t'apportera pas. Qu'il soit dans ta barque. La tempête peut se lever, mais la tempête ne te tuera pas. La tempête vient pour te positionner. La tempête vient pour révéler ce qui est abominable à toi. La tempête vient pour apporter la crainte dans la vie de ceux qui ne croyaient pas en toi. Quelqu'un me dit amen, je suis en train de prophétiser. Que la tempête se lève afin de créer des élévations dans ta vie. Qui a dit amen, j'appelle une tempête d'élévation. Pierre dans la barque. Peter in the boat. Pierre ne croyait plus. He didn't believe anymore. Maître. Master. Maître. Master. Réveille-toi. Wake up. Car nous périssons. We are dying. Mais pourquoi il permet la tempête? Why allow the storm? Pierre était un grand pécheur. Peter was a. Dieu permet la tempête. God allowed the storm. En fait, de briser Pierre. To break Peter. Quand vous commencez à compter si des gens autour de vous. When you rely people around. Tu envoies une tempête, les gens vous abandonnent. When people, God bring a storm so that people forsake you. Dieu envoie une tempête. Don't bring a storm. Ton nom, c'est que tu comptais. Tes diplômes, c'est que tu comptais. Là où tu vas frapper la porte, personne ne peut t'aider. Parce que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je vais révéler quelque chose. Attendez, je vais aggraver. Quelqu'un dit aggrave, j'aggrave. Quelqu'un dit additionne, j'additionne. Quelqu'un dit soustrait, je soustrais. Quelqu'un dit divise, je divise. Quelqu'un dit multiplie, je multiplie. La gloire de la seconde maison. La Bible dit, elle sera plus grande que celle de la première. Tu avant de te donner une seconde maison, tu casses d'abord la première maison que tu avais. Oh, les gens ont mal fait de se moquer de toi. On dit, depuis que tu as accepté le Seigneur, on ne comprend plus ta vie. Tout est devenu difficile. C'est la première maison qu'il a commencé à casser. La gloire vient. When the glory comes. Ce qui annonce la gloire, what annonce c'est glory? Les épreuves. The trial. L'épreuve vient pour détruire ce que tes mains ont fait. Pour que la gloire puisse te revenir. Pour que ça cause de moi. Parce que je suis père, j'ai connu un homme. Parce que je me suis plein, j'ai eu un travail. La Bible dit, il ne partage pas sa gloire. Mais c'est là où la main de l'homme s'arrête. Que la main de Dieu commence. Je suis venu t'annoncer ce matin. Là où ta main s'est arrêtée. C'est pas parce que tu es capable. Mais Dieu veut achever ce que tu as commencé. Tu te lèves, tu dis amen, quelque chose commence à se passer. La Bible dit, the Bible says, l'homme appelé Gédéon. Man called Gideon. J'aime trop l'évangile. I love the gospel. J'aime trop la Bible. I love the Bible. C'est pourquoi Dieu a fait de moi. That's why God un biblicite. A man of biblicite. Quelqu'un me dit amen, je vais bombarder. Say amen well. Dans cette période-là, that moment, Dieu ne prend pas quelqu'un qui est fort. God don't take somebody who is strong. Dans cette période-là, that moment, Dieu ne prend pas quelqu'un qui est puissant. Somebody who is strong. Dans cette période, that time, Dieu prend quelqu'un pour que dans le regard, well, look at on dit c'est difficile. It's hard. Les gens ne croient pas en lui. People do not believe in him. Dans cette période-là, on that time, la Bible dit l'ange se révèle à lui. The angel reveals himself. Sous le térubin de l'Euphrate. C'est un ange sacré. Il y a des apparitions. Well, la Bible dit c'est là-bas que Gédéon était. Then, Gideon, quand l'ange vient, when the angel came, l'ange ne l'appelle pas par le nom que son père lui a donné. Call him the name of the father gave. Mais quand l'ange vient, when the angel came, il dit vaillant héros. C'est Matthew Warrior. Ton père. Your father t'a donné un nom. Gave him a, mais a ton name. Père invisible. By aussi your father, un nom pour toi. He has a name for you. Il appelle. He call him vaillant. Say héros. Tu warrior. Gideon dit mais attends. Gideon said. Vaillant héros. Mighty warrior. Je n'ai jamais fait de combat. I have never fought. Et tu m'appelles vaillant héros. You call him mighty warrior. Mes parents sont les plus pauvres. My parents are menacés. Je suis venu te dire. Dieu pour te bénir. God to bless. La gloire ne regarde pas la misère de ta famille. La prophétie ne regarde pas le rang social de ta famille. Quand la prophétie vient, elle vient modifier toutes choses. Elle vient compliquer toutes choses. Elle vient pour confondre la folie. Elle vient pour confondre la sagesse des hommes. Je suis venu t'annoncer. Il y a une prophétie qui arrive sur toi qui va te limiter. Une prophétie qui mettra la différence entre ton père et toi. La différence entre tes frères et toi. La différence entre ta génération et toi. Tu me dis amen, je suis venu te dire. Ce que ton père n'a pas achevé, tu achèveras.
Ce que ton père n'a pas fait, tu feras ces choses. Tu me dis amen, je déclare cela sur ta vie. L'ange le voit. The angel saw him. Il lui dit, he said, vaillant héros. C'est mighty warrior. Dieu m'envoie pour venir te dire. God can send me femme d'affaires. Woman of business. Femme mariée. Married woman. Future femme d'affaires. Dieu m'envoie te dire femme ministre. Femme présidente de la République. President. Je dis tu portes des entrailles des milliards. Yeah. Je suis venu t'annoncer ton futur. Je suis venu t'annoncer que Dieu est sur le point de faire quelque chose de fort. What to do great in your life. Il faut croire en toi. Believe in yourself. Quand Dieu veut élever une personne, when God wants to raise somebody il up, ne regarde pas son passé. God look at his past. Quand Dieu veut élever une personne, when God wants to il ne regarde pas son présent. God look at his present. Tu vois pourquoi faire beaucoup attention. That's why watch out. Les gens avec qui tu marches aujourd'hui, people you are working with, ne regarde pas les présents. Don't look at the present. Parce qu'il y a un Dieu qui existe. The God exists. Qu'on appelle le Dieu de la surprise. The God of surprise. Quand les gens voyaient Marie, when people look at on dit cela ne peut pas enfanter. Cannot give birth. Déjà son nom c'est une malédiction. Mary, on l'appelle Maria. 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 Fait du douleur. Fait du amertume. Fait du souffrance. Mais dans le ciel. Dieu lui a donné un nom. La mère du sauveur de l'humanité. Je ne sais pas quel nom que ton père t'a donné. Si ce nom était un blocage pour toi, je viens t'appeler homme prospère, homme de destinée, homme de vision, homme accompli, homme de multiplication. Tu te lèves ces paroles t'annonce. Tu te lèves ces paroles t'impact. Tu me dis amen plus fort, je dis ces paroles pour aller accomplissement au nom de Gédéon. Gédéon. Vaillant. Mighty héros. Warrior. Il dit mais attends. He said, mes parents. My relatives. Sont les plus pauvres à Manasseh. They are poorest. Moi-même je n'ai rien. He myself, c'est vrai que c'est difficile. It's hard at this. Mais celui que tu adores. Hard, the one you worship. Il est le Dieu de la difficulté. The God of difficulty. Le Dieu des cas compliqués. The God of the Il ne traite pas nos cas dans la facilité. God is treating the easy. Dieu aime les cas compliqués. Il like a complicated. Ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué you. Devant Not Dieu. Ça peut être compliqué pour toi. Mais quand c'est compliqué, Dieu aime ces choses dans la facilité. Je suis venu t'annoncer ta situation compliquée après ce programme sera résolue. Au nom de ce qui me plaît chez Dieu, what I like with God, quand il rentre dans ta vie, when il ne modifie rien. He doesn't modify anything. Tu avec quoi il t'a créé? What he created c'est avec ces choses que tu réussis. You use it to succeed. C'est quelqu'un me comprend? Is anybody hearing me? Quand j'ai de l'ange, j'ai révélé ça à Gédéon. When the angel revealed to me, c'est mighty warrior. Quand je pensais que the angel peut-être qu'il allait verser peut-être huile sur lui. Shall pour all on him. Il allait lui dire non. Chasser. Tu vas devenir, tu vas aller prendre des chats pour aller combattre. You go and take charge. Dieu dit non. God said no. Il dit mais avec quoi je vais accomplir cette mission? Say what am I going to fulfill this mission? Cette mission est difficile. It's hard this mission. Mais écoutez-moi bien. Dieu ne met jamais une épreuve au-dessus de nous. God can never put a trial. C'est pas une épreuve. Nous avons les forces de pouvoir les supporter. You have the strength to fulfill. C'est pourquoi David a dit. That's what David said. Dans la vallée. Valley, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, valley, je ne crains aucun mal. I fear no evil. Quand tu es avec moi. You are with me. Pourquoi cette assurance? Parce qu'il y avait la promesse qui lui disait. Tu ne mourras point. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je suis venu te dire, quand le problème te dit que c'est compliqué, tu as un problème, c'est parce que c'est compliqué qu'il y a un Dieu qui va régler dans la facilité, quelle que soit la situation. Quand tes épreuves commencent à te dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, tu aux épreuves, je puis tout par celui qui me fortifie. Même dans la vallée de l'ange de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Je bénis Dieu, la vie en 191, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, quelle que soit l'adversité. Tu dois dire ceci, la Bible dit en Psaume 91, au verset 11, la Bible dit ceci, il ordonne à ses anges de nous porter dessus les ailes, de mettre nos pieds, de être une pierre. Il dit plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le rassasierai dans nos jours, et je lui ferai connaître mon salut. L'amour de Dieu en toi ne te laissera pas mourir en chemin. L'amour de Dieu en toi ne te laissera pas tomber. La gloire de Dieu en toi ne te laissera pas échouer. Ah, là, il tout fait. Il y a des choses que tu dois comprendre. There are things you have to understand. Quand une destinée est en toi. When there is a destiny in you. Quand tu as la marque de Dieu sur toi. When you have the mark of God in you. Tu commences toujours par les problèmes. You start through a problem.
Je bénis Dieu. I bless the Lord. Il ne montre jamais le commencement. Doesn't show the beginning. Il montre toujours la fin. He shows always the end. Satan montre le commencement. Satan show the beginning. Et voici les milliards que je vais te donner. This is the billion I'll give you. Je vais vous révéler pourquoi j'ai dit ça. I'll reveal you why I said that. La Bible dit pendant que Jésus était en jeûne. When Jesus was fasting. Satan le prend. Satan took it. Il le met au-dessus du temple. Put on the roof of the temple. Et qu'est-ce qu'il dit? He said. Il dit voici les richesses que je vais te donner. Here is the riches I'll give you. Oh Dieu. Me or God. Quand il te parle, when il parle du futur. He talk about the future. Satan a montré en même temps. He show it. Dans le présent. The present. Et dit voici les richesses là. Here are the riches. Elles sont à toi. They are for you. Prosterne-toi. Je vais te donner. I shall give it to you. Mais Dieu, quand il t'appelle, God call you, il dit, je te lèverai. I shall raise je te bénirai. I shall bless you. Je rendrai ton nom. I will make your name great. Je préfère ce Dieu-là qui nous montre la fin que de nous montrer le commencement. Il n'a jamais montré le commencement à David. Il a dit à David, to David, tu deviendras roi. King. Mais il n'a jamais dit à David, to David, tu vas croiser Goliath. Goliath. Il n'a jamais dit à David, ta famille va te rejeter. C'est ces choses que Dieu t'a cachées. Mais il t'a caché pour ne pas que tu te décourages, mais pour croire à l'avenir. Je suis venu te dire, sa parole est sûre et certaine. Elle va courir à son accomplissement. Il t'a promis l'élévation. Il le fera. Il t'a promis l'enfantement, il le fera. Il t'a promis la guérison, il le fera. Il dit, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir été accomplie. Touche quelqu'un, il faut lui dire, tu dois croire. Dis-lui, c'est difficile. It's hard, mais ce n'est pas impossible. It's not impossible. Il dit à Gédéon, he said to Gideon, va go avec la force que tu with as. The strength you have. Il y a des personnes souvent qui sont complexées. There are people who are mais est-ce que c'est toi qui t'es créé? Is you created yourself? Non, je ne suis pas là à l'école. I didn't go to school. Mais qui t'a dit aller à l'école est synonyme de réussite? Who told you that going to school is a Une personne qui a un diplôme n'a pas réussi. He didn't go, il a connu un succès. He got a success. La réussite. Avec les diplômes que tu as eu, with a degree, c'est trouver une place, find a place dans la société. In the society. C'est ça la réussite. Yeah, to succeed. Diplôme n'est pas synonyme de réussite. To have a degree is not a synonym to succeed. Ton intelligence est un diplôme pour toi. Intelligence is a diplôme. Ta beauté est un diplôme pour toi. Your beauty is a ta manière de parler est un diplôme pour the way toi. You talk is a diplôme. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu de diplôme. Some people are never mais quand ils arrivent quelque part, ta manière de parler fait que non, veut dire qu'il faut travailler. Mais si tu n'as pas ce niveau, tu dois travailler. C'est ça le Dieu de la surprise. C'est ça le Dieu de l'impossibilité qui rend toutes choses possibles. Salomon était disqualifié selon ses frères. Salomon was disqualified according to his brothers. La Bible dit que Adonijah était en train de se réjouir. Adonijah was rejoicing. Adonijah a commencé à proclamer sa royauté. He began to proclaim his pourtant, kingdom. On l'avait même pas encore établi. Il a commencé à dire partout que lui il est roi. Parce que quand tu regardais Salomon, Salomon ne peut pas hériter le trône. He cannot take over or, il ne savait pas que dans le secret. La promesse n'est pas à l'extérieur. The promise is elle est à l'intérieur. Les gens ne croient pas en toi. Mais en toi tu transportes l'élévation. En toi tu transportes la bénédiction. Tu transformes ta prophétie. En toi, tu transformes la destinée de ta famille. Je suis venu te dire, c'est toi le Joseph que Dieu a choisi. Dans ta famille, dans ta génération, dans ce pays, dans ton entourage. Je dis à quelqu'un, c'est toi le Joseph. Lorsque tu dis, je suis le Joseph de ma génération. Dis encore, je suis le Joseph de ma génération. Le Joseph de ma génération. Crois en ton. Believe in your miracle. C'est difficile. It's hard. Ce n'est pas impossible. It's not impossible. Quoi? Believe. Le Dieu qui t'a créé. The God who created connaît you. Le chemin. You know the ways. Où tu passeras. Where you pass. Et où tu t'arrêteras. And where you stand. C'est l'homme qui a peur. His man who sinon is scared. Il n'y a rien. Sinon it's nothing. Notre vie. Our life. Sur terre. On earth. C'est comme si on est dans un film. Like we're in a movie. Vous voyez le brave. You know, the quand le chef bandit veut le tuer, the, tu n'es même pas dans the le robot want to kill him. You are shouting, you are not even moving by cache yourself. Cache-toi, cache-toi. Hide yourself, hide yourself. Tu risques de mourir. You will die. Mais pourtant, les acteurs de ce film, the actor of the movie, et ils sont assis chez eux. They are sitting over there. Ils savent comment ça va commencer. They know the way you start. Comment ça va se and terminer. The way to win. Même le réalisateur, even the those il sait comment ça va se passer. At it. Je suis venu dire quelque chose. It went. C'est que tu vis sur cette terre. What c'est une rétifusion. Just le réalisateur, c'est Dieu. Dans le film, il a déjà réalisé ta victoire. Il a déjà écrit ton succès. Il a écrit ta victoire. Il a écrit ta prospérité. Il a écrit ta percée. Tu me dis amen, j'ai dit tu ne choueras pas. Tu sortiras vainqueur de ton film. J'ai dit tu sortiras vainqueur de ta destinée.
Pourquoi as-tu peur? Why are you afraid? C'est difficile. It's hard. Ce n'est pas impossible. It's not impossible. Tout ce que quelqu'un lui dit, c'est difficile. Ask somebody. Mais ce n'est pas impossible. It's not impossible. Dis encore, c'est difficile. It's hard. Mais ce n'est pas impossible. It's not impossible. Dis encore, c'est difficile. It's hard. Ce n'est pas impossible. Not impossible. Et dis à Gédéon. C'est tout Gédéon. Va avec la force que tu as. Go with the strength I have. Et la Bible dit quand Gédéon a obéi. When Gédéon obeyed. Le problème des chrétiens. The problem of Christians. Ce n'est pas la parole qu'on a entendue. It's not the word you heard. C'est pratiquer la parole qui est le problème. To put in practice is the problem. Toutes les promesses sont là. All the promises are there. Mais le problème. Our problem. On n'arrive pas à mettre ces paroles en pratique. We are not able to put in practice. Non. No. Dieu te parle. Obéis. God speak to you. Obey. C'est l'obéissance qui produit le miracle. Ce n'est pas l'entendement. C'est l'obéissance qui produit le miracle. Quand tu entends when you hear, et que tu obéis, and you obey, le miracle est là. The miracle came. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Et Dieu ne ment pas. God can never lie. C'est qu'il a promis. What he promised, il va le faire. Shall fulfill. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible à qui Dieu a fait une promesse et qui est mort sans accomplir la promesse. Il te donne une promesse. He gave you a promise. Tu marches dans l'obéissance. Et cours à son accomplissement. En un mot pour vous dire, tell you, la clé du miracle, the key of the c'est miracle l'obéissance. Is obedience. Quelqu'un parle d'obéissance, obedience, parle de la pratique. Okay, oui, je dirais la mise en pratique. Put in practice. C'est ça l'obéissance. That is obedience. Et vous allez voir que Dieu fera des and grandes choses. That God will do it. Ce qui fait que les chrétiens se promènent beaucoup. Why people Christians go all c'est around. La désobéissance. Disobedience. Toutes sortes de pasteurs t'imposent les mains. Any kind of pastor lay hands on you. C'est la désobéissance. Because of your disobedience. C'est pas parce que Dieu ne te parle plus, non. Not because God is not talking to quand you. La désobéissance entre en toi. When disobedience tu comes ne sais to plus you, qui est ton berger. You don't know who is your shepherd. Gloire à Dieu. Amen. La clé. The key du miracle, of a miracle, c'est l'obéissance, obedience, la pratique, put it to practice. Amen. 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 Gédéon a obéi. Gédéon obéit. Il est parti. And he put it to et Dieu l'a fait. And God did c'était it. Difficile. It was hard. Mais c'était pas impossible. We're not impossible. Je connais des personnes. I know people. Shadrach. Shadrach. Meshach. Meshach. Abednego. Abednego. Je vais finir par là. I went by Abednego, on les a pris. They took them. On les a jetés où? They put them dans la fournaise. Fire. La Bible dit qu'on t'a chauffé la fournaise une seule fois. Celui qui partait même l'a déposé restait. Mais ces jours-là, Nebuchadnezzar, avec une grande colère, a chauffé la fournaise sept fois. Oh, il ne savait pas. Il y a des chiffres qu'il ne faut pas atteindre. Il y a des chiffres qui n'appartiennent pas au diable. Il y a des chiffres qui sont réservés à Dieu. Il y a des chiffres qui sont réservés au divin. Je suis venu te dire quelque chose. C'est comme il y a des chemins où le diable a emprunté pour t'attaquer, mais il croisera la promesse sur ton chemin. Ce n'est plus toi qui feras le combat, mais ça sera la prophétie qui est sur ta vie qui fera le combat à ta place. Quelqu'un m'a pas dit amen, je suis en train de dire sur le chemin quelque chose va se passer. La Bible dit ils ont chauffé la fournaise sept fois. Shadrach, Meshach. La Bible dit quand le roi se réveille, l'officier il va regarder dans la fournaise. Le roi demande à l'officier combien de personnes avons-nous jeté. Il dit au roi, on a jeté trois. Satan t'a mis dans le problème, mais il ne sait pas que c'est là-bas que tu vas te multiplier. Je dis, il ne sait pas que c'est là-bas que tu vas te multiplier. Le Dieu que j'adore, il ne fonctionne pas dans la soustraction. Non, il ne fonctionne pas dans l'addition. Le Dieu que j'adore, il fonctionne dans la soustraction. Dans l'addition, il n'agit pas. Avec Abraham, Abraham s'est additionné avec l'autre. Dieu dit non. Dieu les a soustraits. Après la soustraction, il apporte une division. Après la division, quand tu es seul, seul de ta souffrance, seul de ton témoignage, il apporte ce qu'on appelle la multiplication. Tu ne mourras pas dans tes épreuves. Je vois Dieu sur le plan de multiplier tout ce que tu avais perdu. De te multiplier tout ce que tu avais perdu. Qui me dit amen, commence à arracher la promesse ce matin. Combien de personnes avons-nous jeté? How many people we threw? Trois. Three. Je suis venu te dire que tu n'es plus trois. I come to tell you are not three. Je suis en train de te dire que tu n'es plus trois. I come to tell you are not three. Comme âme, esprit, j'ai dit tu n'es plus trois. You are not three. Mais il y a une quatrième personne qui est à côté. In il you. S'agit de ta promesse. It's about your tu n'as pas remarqué que tu peux en faire tout pour que tu tombes, tu ne tombes pas. You did all your best so that you shall fall. Je vais te révéler quelque chose. I want to reveal.
Regarde quelqu'un. Look at. Il y a des gens. There are people. Dieu permet à ce qu'on les pousse dans le dos. They push them like that in the back. On ne peut pas te pousser par là. They cannot push on you. On te pousse, on dit il faut qu'il tombe. Mais plus on te pousse, tu avances. More they are plus pushing on te pousse, tu avances. Il y a des poussées de destinée que tu vas croiser sur ton chemin. Ils te pousseront dans ta promesse. Tu tomberas dans ta prophétie. Tu tomberas dans ton élévation. Qui a dit amen? Je dis quelque chose a commencé à se passer. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Tu as compris ce que j'ai dit. Did you understand what I said? On va tous se tenir debout. We all will be on our feet. Tiens-toi debout là où tu es. Be on your feet wherever you are. Ça va? Daddy, how are you? Bien. Tu vas bien? How are you? Qui t'a invité? Who invited you? Qui t'a invité? Tu as vu le programme comme ça et tu es venu? Dieu va faire. Lève les mains, je vais prier pour toi. Go do it. Tu as bien fait de venir en ce programme. You did well to come to this program. Saint Esprit, merci. Holy Spirit, thank you. J'ai vu une programmation d'AVC. I see a programmation of... Allonge-le doucement. Marit! Go! Touche! Touch! Longue vie sur ta vie. Long life over your life. Longue vie sur ta vie. Long life over your life. Longue vie sur ta vie. Long life over your life. Longue vie sur ta vie. Long life over your life. Longue vie sur ta vie. Long life over your life. Move. Après la prière, cherche à me voir. After the prayer, see me. Merci pour tes grâces. Thank you, Lord, for your lève ta main comme ça, dit Saint-Esprit. C'est Holy Spirit. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt? Are you ready?